Hein? Je viens de te tuer. Il y a combien de versions de toi? Donc tu te caches de moi. Top secret. Et qu'est-ce que c'est? J'ai dit qu'elles étaient top secrètes. Crache le morceau. Ok, ok. Le meilleur endroit pour regarder le feu d'artifice, c'est à côté de la scène. Attends. C'est tout ce que t'as? Va mourir. Mais quoi? Ça va être spectaculaire. Je me pèle le cul à faire le guet à cause de Colt. Ça a intérêt à être spectaculaire. On devrait l'attraper vivant et l'attacher aux fusées. Quoi? Tu dis ça comme ça? L'accès ne sera refusé. Nous sommes des loups modernes.
Et l'heure est venue de nous nourrir. Bonsoir, mesdames, messieurs, ici Franck le baratineur. Le soleil se couche lentement sur les falaises de Black Reef. Mais n'ayez pas peur, on a encore une surprise pour vous. Tournez vos yeux vers la baie. Je vous offre un spectacle à votre image. Et vos soufflants, que je dédie du fond du cœur à chacun de vous. Le retour de Brighton. J'ai deux choses à faire, ok? Une chose importante. Des videurs, super. Ouais, il y a d'autres moyens de ruiner une soirée. Je me répète, pas d'invitation pour la soirée. Mais pourquoi j'ai pas été invitée? Sûrement parce que t'es chiant, t'es transparent. Je croyais que toute cette île était censée être une grosse fête. Ouais. Les visionnaires ont promis des choses différentes. Ils ont abusé à pousser les gars d'une façon... Ils portent tous le même masque. Merde! Un de ces connards est en fait Alexis. La question, c'est lequel? Je parie que cet idiot va crier à la première provocation. Je peux pas te cacher! Sauve-moi!
Sois pas timide. À deux balles.
Il a choisi ça. Pas besoin. Mort.
truc. Ça va. Le jour est presque levé, et maintenant, je boucle. Ça veut dire que je vais mourir là, c'est ça? Ou est-ce que c'est comme dans un rêve? Avec Juliana? Ouh, j'espère que...
Ah, trop du cul, ouais. Non. Y a pas un bouton arrêt sur cette radio? Vraiment? Pas de bouton de stop? Et à
N'exagère pas, Colt. Oh, people!
sais, mais je l'avais rencontré à l'occasion d'une artifile organisée à l'intérieur de l'ennemi. J'ai très envie que tu partages ta musique avec la mère de ce pays. Je réponds quoi? Je réponds les enfants seuls. Mais bien répondu, grand dans mon cas. Dans le site. Tu connais le droit à terre. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir ici sur les charmantes, magnifiques, je veux dire endiablées de Blackrie. Quel crack!
Alors, Frank, ta mère ne t'a jamais dit de ne pas jouer avec le feu. Caisse de feu d'artifice dans la baie de Karl derrière chez Riot. Allons jouer avec le feu. Reviens vite, Colt. L'alcool de demain va pas se boire tout seul. Hey!
Vous avez vu ça? Mais on a compris. Pas besoin. J'ai peut-être... Tu peux pas te cacher! Quoi? Hein? Encore? Mais comment c'est possible, ça? Tu peux c'est pas ridicule! Quoi? Ah!
Franck le baratineur aime jouer avec des feux d'artifice. Je dois bien pouvoir lui garantir un joli bûcher. Thank you.
Ça fait quoi d'être morte? À l'avenir, soucie-toi moins de ta tenue et plus de ton environnement. Et merde. Pas étonnant qu'elle me déteste, elle rate mes meilleures chutes. Ça fait quoi d'être morte? À l'avenir, soucie-toi moins de ta tenue et plus de ton environnement. Et merde. Pas étonnant qu'elle me déteste, elle rate mes meilleures chutes. Je me sens parfaitement bien. Je crois que c'est
Et du coup, j'ai rattrapé ce petit con domestique dans le parking et je vais vider un chargeur dans le crâne. Bah ouais, quoi ? Personne casse la gueule à mon pianiste. On fait qu'un. On est comme des frères, ok ? C'était de la légitime défense. Bienvenue au baron. Voilà tes grosses mains, Colt. Pas de seconde chance chez moi. Capable d'assumer. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'on a là ? Je vois le train ! Thank you.
Pas besoin de munitions. Ça va. Charlie a fait ça, je devrais aller voir chez lui, dame. À l'époque, j'étais en couple avec une femme charmante, mais très jalouse. Elle refusait de comprendre que le show business était incompatible avec une vie amoureuse exclusivement monogame. Et elle n'arrivait pas de piailler à cause du coup. Thank you.
Ferme. Ça sent pas bon. VIP nécessaire. Thank you.
chose que tu peux faire? Intéressant. Voilà pour me faire des amis, mais pour apprendre. Pas comme d'autres. Thank you.
T'as une preuve que j'ai dit ça. Attends, je t'ai allumé, toi ? Visuel.
Ça va. Quoi? Je te tiens. Je peux pas gagner. Mal.
trou de merde. Même le dernier pecno veut ma peau. Chaque jour, chaque seconde. Merde. Je bouge. Sois pas de... Tu sais pas. Je vais. Tu sais pas.
merde. Moi aussi, je veux m'amuser. Nous croyons en quelque chose de plus... Ça va. Extravagante. Oh merde! Regardez! La bonne configuration.
pile à l'heure pour le spectacle. Pas besoin de munitions. Qu'est-ce qu'on a là ? C'était ce que je crois que c'était ? Thank you.
Je crois que tu sais pas ce que c'est qu'une vraie pourriture. Vraiment? Attends de voir mon prochain tour. Je t'emmerde, j'ai 29 ans, grand max. Quoi?
Seulement ils nous laissent les aider. Merde, il est là. C'était ce que je crois que c'était.
Moi aussi, je peux m'amuser. Arrête un peu de boule. Merde. Non, ça va. Le moment de mettre fin à tout ça.
Thank you.
Faut que je tire sur un truc. Quoi ?
Thank you.
Évidemment. Tout le monde. Et ici, c'est carrément un putain de champ de mine. Oh, je crois qu'il est en état de choc. Non, tu crois? Alors, on est censé faire quoi maintenant? J'en sais rien. Ce scénario faisait pas partie de notre guide d'orientation. Il craint ce premier jour. Nous devons le tuer. Oui, nous devons tuer Igor. Tu la fermes et tu t'assois. J'ai peut-être repéré le train caché. Il revient. Good.
même les plus infimes perturbations. Besoin. Ce sont des enregistrements. Igor a trouvé quelque chose avec toutes ces antennes. Fouillons encore.
C'est parti pour un réveil en sablé. Igor ne va pas à la fête à cause du succès d'une de ses expériences. Je crois que je vais devoir faire un petit sabotage scientifique. Des bénéfices pour toute l'humanité. Personne ne bénéficie de rien sur cette île. L'histoire, c'est surfait. Thank you.
de l'endroit le plus magique de Skyou, la bibliothèque. J'espère que vous êtes prêts à nous flinguer. Tu peux pas te cacher. Y'a quelqu'un? Des leviers, toujours là pour péter l'ambiance. Encore ces sentiments! Je te vois! Tu peux pas te cacher! Machine en surchauffe! C'est l'heure de faire une pause! À mettre ses doigts dans la prise. Électricien man. Quelqu'un d'autre peut se charger. Je laisse personne. Qui a besoin d'un électricien? C'était ce que je crois que c'était. Ça va. Écoute. Oh, j'adore. Tiens. C'est très, très juste là. Oh. Oh, merde, la mort t'attend. Boum.
Je crois bien qu'Otto va péter un fusil. Igor au sérieux. Tu sais que je l'ai rencontré au festival d'Undermoon une fois. Il était du genre collant. Mais plein aux os. C'est Igor qui l'a amené ici. Tu ne répares sa connerie. Électricien man, il a plus qu'à venir un peu plus tard pour le code. Thank you.
tu les as bien bousillés, ces gens. Dont tu fais partie. Ils pensent tous encore que c'est le premier jour. Personne n'a voulu ça. Profond. T'essaies d'oublier quelque chose en particulier? Construit pour durer, dans la boucle, cet endroit se serait effondré un bon jour. Pas besoin. Thank you.
Donne cette impression-là. Peut-être que c'était mon plan. Tu piges pas. Thank you.
Donc tout le monde oublie, tous les jours, sauf toi, et moi parfois. Je comprends pas. T'aurais pu dire une gueule de bois. Thank you.
Il reste toujours demain. Malheureusement. Thank you.